Mr. Sinister. Ok, dans cette partie, je vais me prendre contre Mr. Sinister. Celui-ci a plus 1 d'attaque pour chaque bystander qu'il possède. Et puis, quand il strike, Mr. Sinister capture un bystander. Et ensuite, chaque joueur qui possède dans sa main en ce moment 6 cartes doit révéler un héros rouge. Sinon, va devoir défausser une carte par quantité de bystander que Monsieur Sinister a. Donc ça va faire ça fait mal au niveau des pour ce qui est des cartes dans les mains. La Scheme Twist ici, c'est un setup spécial. Donc dans le deck de vilain, il y a 14 cartes qui représentent un héros au hasard. Et ce héros au hasard là, c'est Spider-Woman. Donc j'ai mis le deck de Spider-Woman à l'extérieur du jeu parce que j'ai pas le même dos de cartes. Donc pour pas savoir ce que je pioche, j'ai inclus dans mon deck de vilain des Iron Patriot Drone que je me suis fait, des cartes custom que je me suis fait. Et puis j'en ai mis 14 dans le deck. À chaque fois que c'est un Iron Patriot Drone qui va sortir, je vais le remplacer par la top card du deck de Spider-Woman. Et puis, dans ce scénario-là, les cartes de Spider-Woman qui vont arriver dans la ville se font capturer par le premier vilain ou le mastermind qu'il y a dans la ville. Donc, en arrivant dans la ville, comme ça. Et puis, ça lui donne plus 2 d'attaque. Par contre, si je bats le vilain, je gagne le héros. S'il y a une twist qui sort, tous les héros capturés, donc tous les Spider-Woman capturés, quittent le jeu. Et puis, ça va dans la KO Pile. Et puis, s'il y a 9 héros non gris dans la KO Pile, j'ai perdu. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le setup. Aussi, j'ai... dans le deck de héros, il va y avoir 3 héros. Il va y avoir Ghost Rider, Star-Lord, et puis Captain America 1941. Et puis, j'ai ajouté des petits jetons comme ça qui vont représenter des shards dans le jeu. Parce que Star-Lord, il joue avec des shards. Donc, voilà, j'ai mis des shards ici. Juste pour pas mélanger avec. Pour pas mélanger avec les points supplémentaires qui vont être octroyés à cause de la capture des héros. Parce que les shards, quand je bats les héros qui ont des shards, je peux capturer un de leurs shards et le garder avec moi. Et le reste, ça retourne dans la banque de shards. Donc, pour ne pas mélanger avec le bonus normal qui est donné par la scheme. La scheme, cette partie-ci. Je vais utiliser deux types de jetons différents. Voilà. 5 comme ça. Je pioche. Dans mon deck de blessures, il y a des blessures graves. Et puis, dans le deck de Sidekick, j'ai mis aussi les Pet Avengers. Et ça, c'est un scénario qui a été choisi au hasard par le logiciel Assemble que j'utilise sur ma tablette. Donc, j'ai pas choisi les cartes. Comme ça. Ok. Je tourne une carte. C'est une Scheme Twist. Et la Scheme Twist, ce qu'elle me demande de faire, c'est que tous les héros qui sont dans la ville sortent de la ville. Et puis, je joue une autre carte du deck de vilain. Donc, immédiatement, je vais jouer une autre Scheme Twist. Par contre, je peux KO'er une carte ici. Ici j'en ai 3 des Star-Lord, fait que je vais la mettre en dessous, c'est une commune en plus, donc ça va me permettre d'utiliser les artefacts. Voilà. Je joue une prochaine carte. C'est Captain America qui est dans le vilain, le deck de vilain, et puis c'est ça, il y a les Avengers, et puis les Ghost Racers qui sont dans le deck de vilain. Donc Captain America... Il y a Ambush, each player reveals 3 colors of ally or gains a binding. J'ai pas le binding. Donc je vais aller en chercher. Et puis je veux juste spécifier aussi que
Ce scénario-là, ça a été choisi par Assemble. Ce scénario-là doit être joué sur la planche de jeu Villain, donc je vais respecter le nom des lieux sur la planche de jeu. Donc je prends un binding, je l'amène à ma défausse. Et quand je vais me battre contre lui, ça va être la même chose. Et puis Captain America a plus 1 d'attaque pour chaque couleur d'allié ou de héros dans le lair. Donc là, j'ai 2 couleurs. Donc Captain America a plus 2. Il faut que je le frappe de 6. Pas gentil en partant, lui. Bon. J'ai 4 d'achat, 2 d'attaque. Voyons voir ce que j'ai ici. Ici, je peux choisir un artefact qu'un joueur contrôle et copier son Once Per Turn Ability. Donc, ça c'est intéressant. Quand je vais avoir des artefacts devant moi, et c'est une carte rouge, donc ça va m'aider contre Monsieur Sinister. Celui-là, si je peux KO un vilain de ma Victory Pile, si je le fais, j'ai plus 3 d'attaque. Mais je pourrais pas l'acheter tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre Star-Lord en rouge. Et puis, je vais remplacer ici. Ça va être excellent. Ça va me donner un shard par tour. Je vais absolument aller chercher cette carte-là tantôt. Parce que c'est d'autant plus important. Puisque je joue solo, je joue une fois sur deux. Le deck de vilain joue. Après ça, c'est moi qui joue. Donc, je joue beaucoup dans cette partie-là. Donc, je vais recevoir un shard à tous les tours. Donc, ça va être très payant. Puis je mets 6 prochaines. Je sors une autre carte. C'est une Scheme Twist. Donc tous les Spider-Woman qui sont dans la ville sortent. Il n'y en a pas. Je suis pas mal chanceux pour ça. Et puis je joue une autre carte. C'est un Iron Drone. Un Iron Patriot Drone que je remplace par Spider-Woman qui se fait capturer par Captain America et qui, par le fait même, lui donne 2 d'attaque de plus. Voilà. Il va falloir que je reste vigilant aussi, là, parce que le deck, le HQ change. Donc la force de Captain America aussi va changer. J'ai 2 d'attaque, 4 d'achat, même chose. Je vais aller chercher Star-Lord, parce que je veux avoir cette carte-là le plus tôt possible en jeu pour gagner un shard par tour. Même chose ici, là, cette carte-là, une fois par tour, je pioche une carte, là, c'est très fort. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne une carte ici. C'est un Ghost Racer. Lui, il y a Ambush, il y a Rise of the Living Dead. Donc, si sur le dessus de mon deck, sur le dessus de ma pile de victoire, j'avais un autre vilain qui avait le keyword Rise of the Living Dead, ce vilain-là serait rentré dans la ville. Et puis, quand je vais me battre contre lui, je dois révéler un héros rouge ou KO un de mes héros avec une icône de slash d'attaque. Voilà. Donc, j'ai 5 d'achat, 1 d'attaque. KO un vilain de ma Victory Pile. Ça peut être le fun, ça, surtout si c'est des Rise of the Living Dead qui s'en viennent. Quoi qu'il ne devrait pas en avoir beaucoup, mais ça me permettrait de m'en débarrasser. Parce que j'ai pas besoin d'en avoir dans mes mains. Puis ils vont frapper de 2, des fois de 5. C'est quand même très bon. Par contre, je vais aller chercher elle. Parce que elle me donne 2. C'est comme une Shield Officer. Par contre, c'est une rouge, puis en plus, ça va copier mes artefacts éventuellement. J'ai besoin d'avoir des cartes rouges pour me protéger contre Mr. Sinister. Donc, je pense que je vais faire ça. Je pense que ça presse plus en ce moment dans ma partie. Bon, une autre shard.
2, 3, 4, 5, 6. Et puis je tourne cette carte-ci. C'est une Scheme Twist. Cette, elle sort de la ville. J'ai donc une carte d'accumuler ici. Et Captain America a tout à coup moins 2. Mais il y a plus 1 parce que j'ai 3 couleurs. J'ai bleu, j'ai noir et j'ai bleu et j'ai noir. Donc il y a juste plus bleu dans la ville. Et puis une fois que la Scheme Twist est sortie, je joue un autre. Iron Patriot Drone, que je remplace par Spider-Woman, que je mets en dessous du premier vilain de la ville ici. J'ai mon binding, j'ai mon artefact ici qui, une fois par tour, me donne un shard. Je vais le prendre. J'ai 2 d'attaque, 2 d'achat. Je vais acheter un sidekick que je vais mettre là. Et puis le reste, je vais le jeter. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6. C'est le début de mon tour. Je peux ramasser un shard. J'ai un sidekick. Je vais l'utiliser. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Je peux choisir un artefact qu'un joueur possède. Et puis je peux copier son Once Per Turn Ability. Donc c'est Gain a Shard. Je vais copier. Comme ça. Ça va être très fort, ça, éventuellement. Même si elle l'est pas mal déjà. Donc, je peux utiliser mes shards n'importe quand dans un combat pour les. Je peux les dépenser pour avoir plus un attaque pour chaque shard que j'utilise. Donc, ça, c'est super bon parce que je ne vais pas les utiliser au bon moment. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5 avec 2 d'attaque. Avec 5. Je vais aller chercher un autre shard ici. Comme ça. Puis 2 d'attaque, ça fait rien. Voilà. Je vais pas me mêler avec mes shards. Je sors une carte. C'est Thor. Lui, il a Ambush. Lui, il me demande de KO'er une carte. Qui vaut 7 ou plus. C'est bien triste parce que je me débarrasse de ma Star-Lord. Et puis ça fait un héros de plus dans ma pile. Dans ma pile de héros non gris qui doit être accumulé là. C'est pas bon. Je regarde combien de couleurs que j'ai dans mon HQ. J'en ai 3. Donc Captain America vaut 3 de plus. C'est le début de mon tour. Je mets un shard sur Star-Lord. J'ai 5 d'achat, 1 d'attaque. Avec mon 5 d'achat, je vais aller chercher Ghost Rider. Oh, un autre artefact là. C'est très fort. Puis j'ai 1 d'attaque, ce qui ne me donne absolument rien. 1, 2. 3, 4, 5, 6. C'est super, super. Au début de mon tour, je gagne un shard. Je copie une habileté. Je gagne un shard. Je copie une habileté. Je gagne un shard. Ça me fait 2 d'achat. Ça me fait 5 d'achat au total. Puis 3 d'attaque. Je vais aller tuer Ghost Racer. Lui, je vais révéler un héros rouge, ce que je fais de ma main. Et ou bien je KO un de mes héros qui a une icône de slash. Ouais, je pourrais peut-être KO'er un de mes héros à la place. C'est ça que je vais faire. Je vais KO'er un de mes héros qui est utilisé ce tour-là. C'est un héros gris. Donc je m'en fous. Et puis je gagne Spider-Woman qui a Wallcrawl. Mais je crois que je la gagne, donc je la recrute pas, donc elle va pas utiliser son pouvoir de Wallcrawl. J'ai 5 d'achat, je vais aller chercher l'autre artefact. Ici. Donc à un moment donné, là, je vais avoir bien des shards en même temps à dépenser. Ça va être super fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, je me rends compte que je pouvais pas faire ça. Parce que mon Ghost Racer, là, lui, là, il avait plus 2 d'attaque à cause de mon vilain. Donc, si je récapitule, j'ai fait mon achat, mais j'ai pas pu faire mon attaque. Donc, j'ai repris ma carte ici que j'avais KO. Je la remets dans ma pile. Je remets ça là. Et pour me rappeler qu'ils ont plus 2, je vais mettre 2 comme ça. Donc, faut que je frappe de 5 finalement. Donc, dans le tour précédent, j'ai fait un achat, j'ai rien fait d'autre. Je vais mettre mon artefact pour mon shard. Je mets shard ici, shard là. J'ai 4 d'achat, 2 d'attaque. Avec mon 4 d'achat, je vais aller chercher. Capitaine America, est-ce qu'il m'aide vraiment à faire quelque chose? En tout cas, je vais. Je pense que je vais la prendre juste pour faire du ménage dans la pile ici, là. Mais avant toute chose, il faut absolument que je joue une carte de vilain. Et je joue vraiment tout croche en ce moment. Donc, je joue Satan Master Strike. Lui, il capture un bystander. Il capture. Et puis, il y a plus 1 pour chaque bystander qu'il possède. Et puis, chaque joueur qui a exactement 6 cartes dans ses mains. Je révèle mes héros. Et puis, je vais défausser une carte par chaque Master Strike qu'il possède. Donc, je défausse une carte. C'est ça ici. Bon, ok, là je joue mon tour. J'ai 3 d'achat, 2 d'attaque à faire. Avec mon 3 d'achat, j'ai pris Captain America. Et puis j'ai 2 d'attaque qui me servent à rien. Que je pourrais utiliser. Je vais utiliser les shards. Donc j'ai 2 d'attaque. 2 d'attaque, 3, 4, 5. Je vais utiliser 3 shards pour battre. Là je vais le battre. Ghost Racer. Quoique j'ai pas de vilain rouge. Peut-être que je suis mieux de ne pas faire ça. Bon, là j'avais 5. Ici j'ai 4, 5, 6, 7. Je vais utiliser 2 chances de plus pour battre Captain America à la place. Est-ce qu'il vaut vraiment cette valeur-là? Il vaut 6 parce que j'ai du noir, j'ai du bleu, puis j'ai rien d'autre. Donc ça me coûte un shard de moins. Comme ça. Puis je vais battre Captain America. Bon, j'aime autant ça. J'irai battre Ghost Racer plus tard. Lui, c'est chaque joueur révèle 3 couleurs d'alliés où je gagne un binding. J'ai juste une couleur, fait que je vais gagner un binding. Coudon. Là, j'ai un héros dans mes mains. Ok, là, mon tour termine. Je vais piger 6. 3, 4, 5. Et ma 6e carte. 6. Je joue cette carte-là. C'est une Spider-Woman qui se fait capturer par Thor. Qui lui donne plus 2. Donc là, Thor, il faut que je le frappe de 9. Il est pas mal fatigant. Je gagne un shard par artefact que je possède. Ici, j'ai un binding, j'ai 3 d'achat, 2 d'attaque, 3 d'attaque, puis j'ai 3 d'achat. Je vais utiliser mon 3 d'achat pour aller acheter Madame Hydra. Shield Officer, c'est-à-dire 3. Et puis, je pourrais avoir. J'ai 3 d'attaque avec mon 1 de Shield Trooper et mon Blazing Hellfire de Ghost Rider. Là, je vais aller attaquer. Je peux pas prendre tout. Ça me prend 5. Je vais KOer lui pour avoir 3 de plus. Je vais aller
tuer Ghost Racer. Bon, pourquoi il m'énerve Ghost Racer, c'est que derrière lui, il y a une Spider-Woman, et puis je veux absolument pas qu'une Scheme Twist me la fasse sortir, parce qu'il faut que je gère là, la quantité de héros non gris qui sont dans le Chaos Pile. Donc, c'est pour ça que je vais m'en débarrasser. Et puis, de ma main, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai KOé une carte avec un slash au lieu de montrer une carte rouge. De toute façon, j'en avais pas dans ma main. Donc, je mets Spider-Woman dans la file ici. Je mets mon Ghost Racer de côté. Et puis, j'ai pioché 6 cartes. J'ouvre une prochaine carte, c'est Hulk. Comme ça. Et puis lui, Hulk, quand il rentre en jeu, il fait Demolish each player twice. Ça veut dire que on révèle la top card du deck ici, et puis je vais noter son coût. Donc ici c'est 3, et puis je dois défausser 2 cartes, puisqu'il le fait 2 fois. C'est soit 2 cartes du top du deck, ou bien c'est 2 fois le même chiffre. Je ne suis pas trop certain lequel des deux je dois faire, mais je dois défausser 2 cartes qui ont le même chiffre que celle que je viens de montrer. Donc ce que je vais faire, je vais révéler 2 cartes. Comme ça, c'est assez pire. Donc, c'est la pire des situations. Donc, je dois défausser un 5 puis un 3. Je remets les cartes sur le dessus du paquet. Donc, je vais défausser mon 3 ici. C'est pas très gentil, ça, Hulk. Donc, voilà. Ça, c'est Hulk quand il rentre, dans la ville. Et c'est le même effet quand on va se battre contre lui. Mais là, j'ai 4 d'achat. J'ai sûrement un bon petit 4 à aller chercher. J'en ai pas. Sauf que Star-Lord, ici, gagne des shards, ça j'aime bien ça. Je vais aller chercher une madame Shield Officer que je vais rajouter à ma main. Quoique, si je fais pas d'achat, je peux me débarrasser de ma binding. Et puis je pense que c'est ça que je vais faire. Si je recrute pas d'alliés, ni si je défais pas de vilain, je peux clear away un binding. Et puis si je le fais, je donne les autres bindings aux un autre joueur à ma gauche, si je me trompe pas, à ma droite. Mais comme les autres joueurs réfèrent à nous-mêmes dans le jeu, ben dans le fond, je peux en défausser juste une à la fois. Donc, je KO un binding et je ferai rien à mon tour. Tant qu'à m'encombrer un petit peu d'une Shield Officer, j'aime autant pas en avoir. 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Et puis là, qu'est-ce qui sort? C'est Ant-Man qui rentre dans la ville. Et puis là, il y a Illusive 4. Ce que ça veut dire, c'est que je dois avoir 4 étoiles dans mes mains. Pour avoir le droit de l'attaquer. Donc je vais avoir 3 d'attaque plus 4 étoiles. Mais sinon, il fait rien d'autre. Ok. Voyons ici ce qui se passe. Mon Star-Lord fait des shards. Celui-ci aussi. Je commence à avoir beaucoup de shards. Je vais pouvoir commencer à me battre solidement contre Thor et puis Hulk et tout ça. Je vais jouer mes 2 cartes ici qui me permettent de copier un effet. Donc, je vais mettre ça là. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, là, au lieu de les mettre différemment, là, je vais les mettre une par-dessus l'autre, là, comme ça. Je vais accumuler les shards. Tout ce que je dois savoir, c'est que j'en mets 3 par tour sur mon sur mes cartes. Comme ça, je vais sauver de l'espace. Choose an artifact, ça c'est fait. J'ai 3 d'attaque puis j'ai 4 d'achat. Je pourrais aller tuer Ant-Man tout de suite. Est-ce que je veux avoir mon 4 d'achat? C'est pas nécessaire. Je vais aller tuer Ant-Man. J'ai ce qu'il faut dans ma main pour le faire. Fait que bye bye Ant-Man. Ça va en faire un de moins. À tuer tantôt. Je refais ma main à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je gagne 3 shards. Là, je vais commencer à faire plus mal. Je vais gagner 1 shard de plus. J'ai 1 d'attaque et 5 d'achat. Avec mon 5 d'achat, je vais aller chercher Blazing Fire. Pour frapper de 5 éventuellement. Donc mes 5 d'achat sont utilisés. Ah, j'ai même plus que 5 d'achat. J'avais 7 d'achat à cause de ma Legendary Outlaw. Ouais,
C'est pas ça que je vais acheter dans ce moment-là. Je vais en profiter pour aller chercher une artefact. Parce que le gros avantage de l'artefact, c'est qu'elle se KO elle-même, dans le fond, parce qu'elle sort de mon deck au moment où je la mets en jeu. Et puis en plus, ça va me permettre de piocher une carte de plus à chaque tour. Ça, c'est incroyablement puissant. Je vais acheter celle-là à la place. Je n'achèterai pas Ghost Rider. J'en ai pas besoin. Et puis j'ai un d'attaque. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est... je vais utiliser 7 shards. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 shards pour battre Hulk. Et voilà. Et puis il me démolish deux fois. Mais dans le fond, j'ai joué toutes mes cartes. Donc je démolis 5 et 7. 5 et 3. Ce qui n'est pas très efficace pour lui, puisque j'avais toujours mes cartes de toute façon. Ça fait plus mal quand on joue à plusieurs. Parce que là, mettons, si on joue à 6 ou si on joue à 4. À ce moment-là, il y a la possibilité de défausser plusieurs cartes dans plusieurs mains différentes. Donc, le total de cartes défaussées est beaucoup plus grand. Là. Mais quand on joue solo, c'est pas si fort. Alors, 3, 4, 5, 6. Je mets 3 shards sur mon Star-Lord. Je tourne une carte ici. C'est Ant-Man encore. Il a rien compris. Il est venu dans ma ville. Il va falloir que je lui dise que c'est pas correct. Je vais copier un effet ici pour 2. 3, 4, 5 d'achat. Et puis là, ce que je vais faire, je vais aller chercher Ghost Rider. Comme ça. Pour ce qui est de mon attaque, j'ai 2 possibilités d'avoir 5 en KO1 un héros de ma pile ici. Donc j'ai 3 de plus. Donc j'ai 5 au total. Et puis, combien il me faut pour avoir Thor? Thor, il y a 9. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9 avec mes shards pour aller tuer Thor. Comme ça. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il KO une carte qui coûte 7 ou plus de mon HQ. Et puis, j'ai la grosse Ghost Rider ici qui s'en va ici. Mais ça, c'était pas mal inévitable. À moins que j'aurais pu laisser Thor là, sauf que inévitablement, à un moment donné, c'est Spider-Woman qui serait parti. Donc, je préfère avoir Spider-Woman puis laisser faire ce move-là. Donc, voilà. C'est ce qu'il fait. Je remplace ici. Je vais commencer à frapper Monsieur Sinister bientôt. Je frappe de 6. On tourne une carte. C'est une Scheme Twist. La Scheme Twist fait sortir toutes les Spider-Woman du deck, de la ville. Et puis ça me fait jouer une autre carte. C'est Spider-Woman encore qui se fait attraper par Ant-Man. Je prends 3 shards et je les mets sur Star-Lord. J'ai ici une carte qui me fait piocher une carte, Draw a Card. Et puis en plus, j'ai Man Out of Time si j'avais joué une verte avant, ce qui n'est pas le cas. Donc, Draw a Card. Et puis j'ai 3 d'attaque, 3, 4, 5 ici. Et puis j'ai Spider-Woman, elle a Venom Blast. Reveal the top card of your deck. Si cette carte-là a une étoile, je la pioche. Donc, elle n'a pas d'étoile, je la remets sur le top. Donc, j'ai 5. Et puis, j'ai combien d'achats? J'ai 3 d'achats. Donc, je ne peux pas battre Ant-Man ce tour-là. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Avec mon 3 d'achats, je peux aller acheter Captain America qui se remplace lui-même. Ça ne me dérange pas du tout. Mais avec 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Je vais aller frapper Monsieur Sinister. Je veux juste m'assurer que je peux le faire. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il faut que je le frappe de 9. Donc, Monsieur Sinister, je gagne son bystander parce que quand on frappe le vilain ou le bystander, on ramasse tous les Master Strike, c'est-à-dire
le Mastermind, on ramasse les bystanders qui sont associés. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est le Banker. Le Banker me donne à ce tour-là 2 étoiles de plus pour acheter la carte qui est en dessous de la banque. Et là, je fais juste répéter que le scénario se joue sur la planche de vilain. Donc la banque, c'est vraiment cette case-là. Donc j'aurais 2 étoiles pour acheter elle. Mais j'ai déjà utilisé mes étoiles. Donc c'est pas bon. Par contre, j'ai un bystander sauvé. Et puis, je vais enlever une carte de Monsieur Sinister. Bon, Monsieur Sinister capture un bystander de chaque Victory Pile des autres joueurs. Donc, il capture mon... Bon, ça va bien. Mais par contre, je l'ai déjà attaqué une fois. Donc ça, c'est bien. Je défausse toutes mes cartes. Je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne une carte ici. C'est une autre carte là. C'est une autre... Spider-Woman. Et puis oui, il faut que je me rappelle que Ant-Man est maintenant à plus 4. Donc non seulement il faut que je le frappe de 7, mais en plus il faut que je monte 4 étoiles. C'est pas trop fatigant. Star-Lord me donne 3 shards. J'ai une shard de plus. Je pense que je vais refrapper Monsieur Sinister encore. Pour jouer cette carte-là, il faut que je mette une carte sur le top de mon deck. Ouais. J'ai pas besoin vraiment d'acheter, là. Quoique. Non, j'ai pas vraiment besoin d'acheter. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, j'ai 6. Donc, je vais jouer ma carte de Spider-Woman. Et pour la jouer, je dois prendre une de mes cartes de ma main et la mettre dessus de mon deck. Si j'ai pas de problème avec ça. Ça me fait 6 d'achat. Je vais aller chercher l'artefact qui me fait piocher une carte de plus par tour. Toujours bon. Et puis, j'ai 2. Ghost Rider. Et puis je dois KO'er 2 héros de ma Victory Pile pour avoir plus 5. Donc plus 3, ça me fait un total de 10 d'attaque. Et c'est assez pour tuer Monsieur Sinister une autre fois. Je ramasse son banquier. Et puis voici ce qu'il me fait. Il capture un bystander de... Ça dit, Monsieur Sinister capture un bystander pour chaque Mr. Sinister Tactics in Players Victory Piles, including this Tactics. Donc, il y a combien de Tactics comme ça dans les Victory Piles? Il y en a 2. Donc, ça c'est la deuxième. Donc, il gagne 2 bystanders. 1, 2. Qui est encore 2 comme ça, c'est encore meilleur que le banquier parce que chacun de ces bystanders-là me donne une étoile, mais que je peux utiliser où je veux. Donc c'est super. Par contre, Monsieur Sinister coûte 2 de plus à aller attaquer. Voilà. C'est très fort. 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne la carte ici. C'est un autre patriote qui est capturé par... C'est Spider-Woman qui est capturé par Ant-Man qui coûte 2 de plus à tuer encore. C'est correct. Je vais ramasser 3 shards. J'ai vraiment une main mauvaise pour ce point-ci de la partie. Par contre, je vais quand même attaquer Monsieur Sinister avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le frappe de 10. Voilà. Monsieur Sinister s'en va. Je capture ces 2 bystanders qui me donnent 2 d'achat ce tour-là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Sinister capture un bystander par nombre de, égal au nombre de vilains qu'il y a dans la ville. Il y a un vilain. On capture un bystander seulement. Voilà. Et puis là, j'ai 6 d'achat. Je vais aller prendre celle-là. C'est vraiment intéressant parce que si j'ai joué un Avenger avant, donc une autre Captain America, je sauve un bystander. Et puis si je suis Savior, ce tour-là, je pige une carte. Donc il frappe de 3, puis je vais piger une carte parce que je suis déjà Savior. Savior, ça veut dire qu'on a sauvé au moins 3 bystanders dans la partie. Et qu'on possède 3 bystanders dans notre Victory Pile. Donc,
Donc c'est le cas. Et puis ça va me donner 3, plus je vais la remplacer. Donc, ça c'est super. Puis je défausse le reste. Donc 1, 2, 3. Quatre, cinq, six. Bon, j'ai ma carte ici, mon artefact qui me permet de piocher une carte par tour. Je vais le faire. J'ai mes deux ici qui me permettent d'avoir. J'ai mes trois chars du départ. Comme ça. Et puis je me rajoute deux avec mes deux Legendary Outlaw. Et puis, ça va me permettre de tuer Monsieur Sinister encore une fois ce tour-là. Donc, j'ai 1 d'attaque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisque Monsieur Sinister a 8 plus 1 à cause de Bystander. Donc, je dépense 8 ici, plus mon 1 que j'ai là. Ça me permet de tuer une dernière fois Monsieur Sinister, capturer son Bystander. Et puis ça dit, je révèle le top 7 cartes du Villain Deck et capture tous les bystanders que je révèle. Je mets le reste in random order. Et comme dans ce scénario-là, il n'y a pas de bystander dans le deck. Bon, ça va donner ce que ça va donner. Mais ce que je vais faire, je vais révéler les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis je les remets dans l'ordre aléatoire. Comme ça, sur le dessus. Mon comic shopkeeper. Je sauve un bystander. Quand je sauve, je révèle le top 3 cartes du deck de héros. Et puis, je prends un héros qui coûte 3 ou moins. D'accord. Je vais le prendre. Les autres, je remets sur le dessus. Donc, ça fait un bystander de plus. Et puis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour acheter. Je vais aller acheter la Blazing Fire. Quoique celle-là, je commence à avoir de moins en moins de vilains à Kowey. Je vais aller chercher celle-là, coûte 5. Pourquoi est-ce que je continue à jouer? C'est parce que je vais essayer de tuer Monsieur Sinister une autre fois. Mais je pense que j'aurai aucun problème. À cause des fameux artefacts qui me donnent des shards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je tourne une carte ici, Master Strike. Donc là, Master Strike, je dois révéler un héros rouge, sinon, égal au nombre de Master Strike. Je lui montre un héros rouge comme ça. Sinon, j'aurais défaussé des cartes de ma main, égal au nombre de Master Strike qui était sorti, donc 2. Mais c'est pas le cas, j'ai montré un héros rouge. Et puis je gagne 3 shards. Comme ça, au début de mon tour, j'ai le droit de piocher une carte à cause de mon Implanted Memory Chip. Je joue mon Captain America qui, à cause de Savior, j'ai 4 Bystander. À cause de Savior, je pioche une carte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis capable de frapper Monsieur Sinister de 13 plus HT. Une carte de 5 ici. Et voilà. Donc j'ai battu Monsieur Sinister 5 fois. Donc c'est une victoire écrasante. J'ai même pas eu chaud, je pense, dans cette partie-là. Le fait qu'il y a des shards dans la partie, ça rend le jeu. Je pense que ça, c'est vraiment un des pouvoirs les plus forts. Puis ça devient démesurément fort quand on joue solo. Pour deux raisons. La première, je joue très fréquemment, donc je ramasse des shards, c'est pas possible. Et puis deuxièmement, ça me permet d'aller chercher toutes les cartes de Star-Lord qui me donnent des shards comme ça. Comme là, j'en accumulais 3 par tour. Donc c'est à chaque 3 tours, j'avais assez de shards pour battre Monsieur Sinister sans faire d'effort. Puis 3 tours, ça va vite là. Il y a beaucoup de 3 tours dans une partie à solo. Ça, c'est sans compter les cartes que j'ai achetées ici et là pour me donner de l'attaque. Donc mes deux ici là, de Ghost Rider et puis toutes les cartes de Star-Lord aussi, ça aussi là c'est très très important qu'il me donne deux d'achat, plus je pouvais rajouter un shard sur mon artefact. Ça m'a fait générer des shards de manière pas possible. Je sais pas quel ajustement on pourrait faire pour que le jeu soit plus juste un peu.
pour le vilain. Peut-être que ce que je devrais jouer une version Legendary avec plus de scheme, twist.